L'environnement de Beaublanc, le palais des sports, quand on rentre dans cette salle, il y a une âme particulière. Il y a un sentiment unique qui est reconnu en France dès qu'une caméra s'allume ou dès qu'il y a une photo qui circule. Et donc on a voulu renforcer encore ce sentiment d'appartenance. Et on voulait vraiment que dès la première seconde, on identifie le parquet au Limoges CSP, à la ville de Limoges, à l'ambiance qu'il y avait dans Beaublanc. Et donc, on a pris un peu le contre-pied de tout ce qui se fait actuellement. La grande tendance est plutôt des parquets très clairs, voire blancs. Bah, pour renforcer notre image et notre identité, on est allé justement sur un parquet très sombre. On a eu une demande incroyable de supporters ou simplement de gens de Limoges ou même de beaucoup plus loin qui souhaitaient récupérer un petit morceau du parquet. Malheureusement, c'est pas possible parce que effectivement, il est en dessous. Pour poser le nouveau, il fallait garder l'ancien. Quand il y a une nouvelle surface qui vient sur le parquet, bah, il faut bien quand même avoir un support de base et c'est l'ancien parquet qui est là. Malheureusement pour tout le monde, ça, moi le premier, j'en aurais bien récupéré un petit mètre carré pour garder chez moi et mettre à côté de ma télé. En même temps, je regardais la télé, je regardais le parquet en même temps. L'ancien, il date de 81, de la construction du Palais des Sports. Il y a quand même eu des litres et des litres de sueur sur ce parquet-là. Des premiers Apollo Faye, Jean-Michel Sénégal, jusqu'au dernier Adrien Mouerman. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire à raconter. Et je sais qu'actuellement, on s'occupe beaucoup des fouilles archéologiques Place de la République. Mais peut-être que ce parquet, s'il pouvait parler, il pourrait nous dire beaucoup de choses. Bien sûr, tout le monde est issu du monde scolaire. Et les premières valeurs qu'on défend, nous, dans les clubs, bah, elles passent d'abord par l'éducation. Alors, par nos centres de formation, bien sûr, mais nos centres de formation, ils rentrent en action à partir du moment où les joueurs ont 16, 17 ans. Donc, tout ce qui est fait dans le monde préparatoire, à savoir dans la scolarité pure, c'est majeur, c'est capital, c'est des enjeux très importants. Et c'est pour ça qu'on aura un œil attentif. J'espère simplement faire le doublé maintenant. C'est vrai qu'on a tous un peu la boule au ventre parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer et que c'est forcément des moments de privilégiés qu'on vit, mais ça devient des moments exceptionnels quand en plus on gagne à la fin et qu'on soulève le trophée. Il y a 4-5 endroits aujourd'hui en Europe où il se passe des événements comme ça, mais c'est là où je dis qu'on est des privilégiés. Donc on est évidemment très contents, très fiers. Et ça met beaucoup de responsabilités, un petit peu la boule au ventre, un peu plus encore que le match. Photographie générale de l'équipe, la photographie collective, il y a des joueurs qui individuellement qui sont plus forts ou moins forts que d'autres. Et c'est là où vous voyez, alors là vous êtes sur Antibes. Donc là, les top scorers, c'est les meilleurs marqueurs. Ils ont envie de s'impliquer différemment dans la vie, et ils sont très jeunes, hein. ils sont vraiment très très jeunes. Mais c'est marrant justement de leur montrer un petit peu le revers du décor, que ça soit lors du conseil municipal, lors des grandes activités qui sont liées au sport, à la culture, à l'enseignement, à tout ce qui fait la vie associative ou la vie professionnelle d'une ville. C'est assez épatant que des mômes se mêlent de ça. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. En plus, c'est le bon côté, évidemment, ils sont naïfs, mais ils découvrent des choses. Mais ils ont tous une caractéristique, ils sont tous curieux. Ça, c'est sympa. On se doit aujourd'hui, malgré tout, tout en restant humble, d'être un minima ambitieux. 'Cause you know.